Je témoigne aujourd'hui afin que tu changes tes voies. Ce témoignage est pour le salut des âmes, pour sauver ton âme, à toi et mon âme. Frères et sœurs, écoutant ce message, la convoitise est un péché. Amen. Regardez les feuilletons télévisés, les vidéos mondaines. Toutes ces choses ne plaisent pas à Dieu et c'est la raison pour laquelle je partage ce témoignage avec vous tous. Amen. Les anges ont continué le processus. Amen, amen. 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 Je témoigne aujourd'hui afin que tu changes tes voies. Ce témoignage est le salut pour tes âmes. Les anges ont continué le processus de nettoyage. Ils ont envoyé une minuscule barre en forme de verre. Cela a été mis directement dans mes oreilles et ils ont commencé à gratter mes oreilles. Un liquide noir sortait de mes oreilles et plus tard, une autre couleur de grise. J'ai crié au Seigneur d'avoir pitié de moi et m'aider parce que la douleur était horrible. Le Seigneur me dit, ma fille, je te lave les oreilles parce que tu aimais beaucoup écouter les choses qui ne me plaisent pas. Tu aimais beaucoup écouter les commérages. Tu as consacré tes oreilles à écouter des choses qui ne me plaisent pas. Certaines personnes viennent à toi pour faire des commérages et parler des pasteurs. Tu aimais beaucoup écouter les écouter. Et même quand ils critiquent ton propre pasteur, tu aimais beaucoup les écouter. Au lieu de défendre tes pasteurs et corriger les commères pour qu'ils changent, tu étais comme eux, commérant avec eux. Le Seigneur me dit, n'écoute jamais plus lorsque quelqu'un vient à toi, peu importe la forme des commérages, ne les écoute pas. Excuse-toi et va-t'en immédiatement sans y participer. N'écoute plus les choses qui ne t'édifient pas. J'ai dit, Seigneur, pardonne-moi, prends pitié de moi, parce que je sentais beaucoup de douleur dans mes oreilles. Mes oreilles ont été un palange. Le Seigneur me dit, à compter de ce jour, tu devras écouter uniquement les choses que je t'ai permises. Tu feras uniquement les choses que je t'ai demandé de faire. Tu ne seras plus l'ancienne Adelaïda. Tu es désormais une nouvelle personne et tu dois être la femme que je veux que tu sois. Et j'ai dit, Seigneur, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. J'ai par la suite été conduite dans un autre appartement. Cet endroit était pour nettoyer ma bouche, ma langue. Ma langue a été retirée de ma bouche. Elle a été placée sur une plateforme semblable à un plateau. Et l'ange a commencé à nettoyer ma langue. J'ai commencé à implorer la pitié et l'aide du Seigneur. La douleur que j'ai sentie pendant tout le processus était affreuse. Ils ont commencé à nettoyer ma langue. Ma langue a été retirée de ma bouche. Elle a été placée sur une plateforme semblable à un plateau. Et l'ange commença à nettoyer ma langue. J'ai commencé à implorer la pitié de l'Éternel. La douleur que j'ai ressentie pendant tout le processus était affreuse. Le Seigneur m'a dit, je veux te rendre propre. Je veux te nettoyer, m'a dit le Seigneur. Les anges commençaient à gratter ma langue et un liquide noir coulait de ma langue, puis un liquide blanc. Les anges ont utilisé une eau douce pour nettoyer ma langue. L'eau était très douce. Rien ici-bas ne peut être comparé à la douceur, saveur de l'eau qui a été utilisée pour laver ma langue. Ensuite, ma langue a été ointe d'huile. Ma bouche a aussi suivi le même procédé. Un liquide noir coulait de ma bouche. Le Seigneur m'a dit, ma fille, je fais tout ceci pour toi afin que tu ne fasses plus de commérages.
pour que tu arrêtes de faire les choses qui ne plaisent pas, parce que ta langue a pris part à beaucoup de choses qui ne me glorifient pas. Tu as dit beaucoup de mensonges, arrête de mentir. Le Seigneur m'a dit, dis des mensonges ne viennent pas de moi. Les menteurs ne me plaisent pas. Tous les menteurs ne pourront jamais me voir. Aucun menteur n'entrera dans le royaume des cieux. J'ai dit, Seigneur, prends pitié de moi. Je sais que j'ai fait toutes ces choses. J'ai dit beaucoup de mensonges. Mais je t'en prie, pardonne-moi, aide-moi. Je disais tout cela à cause de la douleur que je subissais à ce moment-là. Le Seigneur a dit, je fais tout ceci parce que je t'aime. Si tu continues sur la voie sur laquelle tu étais, je te perdrai. Si je n'avais pas fait tout ceci, tu n'aurais jamais changé. Je dois sauver ton âme. Et pour cette raison que je fais tout ça, je t'aime parce que je t'aime. Je ne veux pas te perdre. Le Seigneur m'a dit, beaucoup de gens au sein de mon peuple sont justement comme toi, disant des mensonges, vivant une double vie et ils paraissent purs aux yeux des autres. Lorsque tu cries à ton mari, ta langue est aussi utilisée. Ma bouche fut complètement nettoyée et le Seigneur m'a demandé de boire un peu d'eau. Ce que j'ai fait. Ma langue et ma bouche ont été ointes avec une précieuse huile céleste. L'huile était très spéciale, avec une odeur précieuse qui ne peut être comparée